Mais là, t'as encore pris le dernier biscuit. Bon, ben, tu le veux. Ah, t'es dégueulasse. Les enfants, arrêtez de vous chicaner pour des biscuits. J'en ai plein ici. Bonjour Damien et Laurie, comment allez-vous les enfants? Bien! Bien! Vous à la maison, j'espère que vous allez bien aussi. Ça sent bon hein, les biscuits, de sentir à travers les boîtes. J'ai hâte de goûter à ça. Mais avant, on voudrait souhaiter la bienvenue à qui? Aux nouveaux visiteurs! Exactement! Alors que vous soyez petit, grand, enfant, ou même grand-parent, ben, vous êtes maintenant un petit chef! Alors, si vous êtes maintenant un petit chef, vous pouvez aller vous abonner pour ne rien manquer de nos folies, les enfants. Pourquoi qu'on a tout ça, là, maintenant, sur la table? Qu'est-ce qui se passe? On va relever un défi. Oh oui! Et qui nous a lancé ce défi-là? C'est l'équipe de onteste.ca. Alors, c'est quoi onteste.ca? Ils testent plein de trucs différents. Plein de nourriture, ils donnent leur avis. Souvent, ils vont faire lequel est le meilleur goût, mais selon les prix. Tu sais, le moins cher, mais en même temps, le meilleur moins cher. Plein de choses comme ça, c'est vraiment le fun. Ils font aussi des jeux vidéo. Alors, c'est vraiment intéressant. On teste.ca, on va relever votre défi maintenant. En quoi consiste le jeu, Laurie? En fait, on va goûter toutes ces Oreos. Mm-hmm. Puis on doit essayer de trouver c'est quel le vrai Oreo qui est lui. Celui-là, ça c'est le vrai Oreo. Et le reste c'est des imitations. Si on regarde des boîtes, Laurie, là, laquelle boîte tu trouves la plus belle, toi? Mm-hmm. Ouais, celle-là on la voit pas. Si tu regardes celle-là. Celle-là. Et toi, Damien? Moi je trouve que Mr. Creamy, à l'envers, c'est oh, ok, c'est une crème. De l'autre côté, c'est Mr. Creamy. Il est beau, l'infographie de la boîte est belle. Ils ont l'air appétissant. Choco vanille aussi. Mais on voit qu'on dirait qu'ils ont copié le design de Oreo ici. On dirait que ça ressemble à un biscuit qui tombe dans le lait. Alors, moi, j'aimerais savoir avant qu'on commence ça. Comment vous aimez manger vos biscuits Oreo? Moi, en fait... On va faire une petite démonstration. Voilà, tu peux prendre un biscuit Oreo. Elle t'a rien fait là-bas, Damien. Ah, mais là, elle tombe tout le temps. Puis, faites-moi la démonstration. Hey, on dirait qu'ils ont moins de crème qu'avant. Ouais. Avant, ça débordait presque du biscuit. Puis là, on dirait qu'il y a vraiment moins de crème qu'avant. Ben, mon regard. OK. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est d'essayer d'aller chercher la crème puis de l'enlever du biscuit sans la briser. Ouais! J'ai relevé le défi! Puis là, je mange la crème. Moi, ce que je fais, je l'ouvre puis je fais ça. Tu le liches? Et toi, la main? Vas-tu nous faire apparaître comme dans ton tour de magie? On dirait que c'est ça que t'allais faire. Bon, j'ai une autre surprise pour vous, les petits chefs. Regardez ça. C'est quoi ça? Des céréales. Des céréales Oreo. Puis là, c'est supposé de faire comme « Wow! Des céréales Oreo! C'est malade! » Non, ça aurait fait ça il y a un an quand on les a achetés aux États-Unis. Regardez la boîte, elle est vraiment juste en anglais. Elle vient vraiment des États-Unis. Ça fait presque un an qu'on a la boîte. Puis qu'on est supposé d'y goûter, puis de vous faire une vidéo avec. Puis ça ne donnait pas. Fait qu'on s'est dit, tiens, tant qu'il a relevé un défi, Oreo, on va l'inclure dans notre vidéo. On va goûter à ces céréales-là. Alors.
longtemps. On va juste pitcher, boire. On n'a plus besoin de ça. Ça sent pas les Oreos. En fait, l'odeur me donne même pas le goût d'y goûter. Puis, ça fait quasiment un an qu'on a la boîte. Puis c'est ce mois-ci qu'ils sont supposés passer date. Ils sont pas passés date, ils sont encore bonnes. Ils sont juste meilleurs avant juillet 2018. Est-ce que vous trouvez qu'ils goûtent vraiment les Oreos? Pas trop, mais quand même. Ouais. Ils goûtent juste le chocolat. Ouais. Ça goûte pas la crème du Oreo. Bon, ok, c'est assez, les petits chefs. Gardez-vous une petite place pour le défi. Alors, le défi consiste à trouver quels sont les vrais Oreos parmi tous ceux-là. Il y a beaucoup d'imitations, hein? Et puis là, maintenant... Oh! Mais juste avant d'aller au défi des enfants, je veux vous faire remarquer quelque chose. Regardez tous les biscuits qu'il y a sur chacune des boîtes et dites-moi si vous remarquez quelque chose. Ils sont tous pareils, les biscuits. Chacun des biscuits sont imprimés de la même façon. Sauf lui qui a son propre logo. Et bien sûr, Oreo qui a son propre logo sur le biscuit. Mais les autres, on dirait que c'est tout générique. Fait que je me demande s'ils vont en fait goûter la même chose. Ouais. On va savoir ça plus tard. Vous êtes prêts à relever le défi, les enfants? Oui! On s'en va faire ça tout de suite! Yeah! T'es où, toi? Es-tu là? Non, je suis ici. Je vais te donner les assiettes devant toi d'ici. Donc, j'ai le bandeau ici. Je vois absolument rien en dessous. De toute façon, c'est tellement serré. C'est un cache-cou à Damien. Et c'est tellement serré que ça me paye sur les yeux. Là. J'ai les yeux actuellement fermés. Je ne vois rien du tout. Donc, on peut m'apporter le premier biscuit. Voilà, j'ai mon bandeau. Première assiette. Ok, je suis prête. Première assiette. Donc voilà, je vais y aller avec mon truc. C'est sec. La crème se tient comme un Oreo, mais oh non. Oh elle! Ça coûte pas la crème d'un Oreo. Arc. La crème goûte bizarre. J'aime pas trop ça. Ça, c'est clairement pas un Oreo. Oh non. Il ressemble vraiment pas au Oreo. Mais le biscuit, il goûte beaucoup de chocolat. J'ai juste aimé le biscuit, mais pas la crème. Biscuit numéro 2 maintenant. Ceux-là sont même pas empilés droite. Ok. J'aime pas trop le biscuit. Ah, c'est moelleux. Je pense que c'est Mr. Creamy. Le biscuit, il s'émiette super facilement en plus, on dirait. Mais ça, il goûte pas trop l'Oreo. La crème a l'air molle en plus.
Oh my god. Ok, non, je vais pas jouer dans la crème dans lui. C'est sûrement pas un Oreo. Je crois pas que c'est Oreo, moi. Oh my god. C'est pas Oreo, ça. Les Oreo, me semble, ils se tiennent plus que ça. Non, moi, je crois que c'est pas le vrai. Il est comme mou un peu, ce biscuit-là. Moins sec. Mais, il goûte meilleur que l'autre avant. Mais je crois pas que ce soit le Oreo. Il est bon. Le numéro 3. Oh! La qualité en main, on dirait. Déjà, quand on tient le biscuit en main, il a l'air plus épais, celui-là. Ah! Lui, il ressemble. Non, la crème est molle, par exemple. Ah! Ah, ça m'a tout pris pour pas le recracher. Quand on le croque, il ressemble à l'Oreo, mais la fin, j'aime pas trop ça. D'après moi, c'est pas Oreo. Parce que je me fie à la crème, puis la crème, il y en a moins avec les Oreos. Je crois pas que c'est le vrai Oreo, ça. Mais lui, il est bon. Ah, que c'est ça, ce biscuit-là? Vraiment dégueulasse. Prochaine assiette. Tu vois, lui, il est moins gros que le troisième. Oh, c'était fait bien. Oh. Ça, ça va la crème du Oreo. Oh, la crème est tombée. Oh, ça semble que sec par exemple, oui. C'est proche. Si c'est pas le Oreo, là, lui il est proche. La crème goûte quelque chose. Mais je sais pas quoi. Goûte quand même l'Oreo. Mais, me semble le biscuit, il est sec pas mal. J'hésite. Oui. Je garde dans le... Dernier biscuit maintenant. Ah, lui aussi, il est comme plus épais, on dirait. Oh! Oh, la crème est molle! Oh non! Pas la crème du Oreo, ça. Yo!
pâte, elle est molle. Ouais. Donc, le biscuit est chaud parce que au goût aussi, il ressemble au vrai Oreo. J'aime vraiment pas celui-là. Pour l'instant, j'hésite. 4 ou 5? Je pense que... Même le biscuit. Je pense que j'ai terminé. Alors voilà les petits chefs, le défi est terminé maintenant. On a goûté les 5 biscuits. Est-ce que vous avez une idée de quel numéro était le biscuit Oreo? 4. Toi tu dis 4? Toi aussi 4? Ouais. Il y en a qui étaient vraiment dégueulasses là-dedans. Moi j'hésite entre le 4 et le 5, mais il me semble que le 4 goûtait plus aussi. Donc, êtes-vous prêts? Oui. À voir apparaître les boîtes pour savoir de quel est le vrai Oreo. On y va? 3, 2, 1. Oh, voilà! Alors, Dani, toi, tu t'es amusé à essayer de nommer quelques-uns d'entre eux. Lequel tu avais nommé, entre autres? Non, tu avais nommé. C'était Mr. Creamy, il me semble. Que je... Oui, mais je pensais que lui, c'était lui. Ah, ok, je comprends, là, ouais. C'est ça. Non. Donc, celui-là qu'on a trouvé dégueulasse, toi, Damien, c'est celui-là? Moi aussi, c'était celui-là. La crème est molle. Ouais? Non, lui. Moi, il y a Mr. Creamy, je pense. Le troisième, me semble que j'avais trouvé vraiment pas bon, que j'ai failli recracher. Moi, il y en a un qui c'était juste la crème. Ah ouais? Je pense que c'était lui ou le deux. Ok. Donc, on a eu raison, les petits chefs, les trois, on a réussi à trouver les vrais biscuits Oreo. Alors, on aimerait ça remercier ontest.ca pour nous avoir lancé le défi. Merci, c'était super le fun à faire, hein? Ouais. Oui, et puis peut-être dans le futur, pour un prochain goûter qu'on pourrait faire, on pourrait lancer un défi aussi en retour. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. On va passer à ça, on va essayer de trouver une bonne idée. Qui n'ont pas déjà fait parce qu'ils en font tellement beaucoup. Donc, on va essayer de trouver une bonne idée à leur lancer. Puis, on vous revient avec ça plus tard, les petits chefs. Et merci encore, ontest.ca. Allez voir leur chaîne, c'est super intéressant. C'est le fun à voir. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, les petits chefs. Bye. Bonjour les petits chefs, salut les enfants, Damien et Laurie. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien. On a beaucoup de biscuits à Oreo. Je suis fatigué. J'ai dormi 3 heures cette nuit. Je pense que je fais trop de montage vidéo. On va recommencer. Bonjour les petits chefs. Salut les petits chefs, bonjour Damien et Laurie, comment? Je sais pas pourquoi je ris comme ça. Ok, place-toi, Damien. Laurie, 3. Bonjour les petits chefs. Bonjour les petits chefs, salut les enfants. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien. On a beaucoup de biscuits Oreo. Comment ça?
ajouter un pouce bleu. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et cliquez sur la petite cloche grise pour recevoir les notifications. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Partagez-nous à vos amis. Trouvez-nous facilement sur lespetitschefs.ca.